Bonjour tous à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On revient. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'allais intervertir ATC et Epage. Finalement, je ne l'ai pas fait, bien sûr. J'ai fait directement ATC, Page. Et là, donc, c'est ATC, donc la deuxième partie des ATC scolaires. Donc, avec les produits. Ça me fait rire parce que la dernière fois, j'ai dit oui, avec des produits C2M Stencil. J'ai eu en commentaire, oui, c'est vrai, ils sont pas mal les produits C2M Stencil. J'en ai déjà testé et tout. Non, mais ça fait rien. J'espère que t'as souri toi aussi. Voilà. Donc, je vous lance donc mon papa tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc, là, j'ai la chute que je viens de prendre. Donc, je viens juste de couper ça pour avoir 6,4. Je vais lui coller du papier. Là, c'est papier à carreaux. Hop, mon pinceau de tout à l'heure. Pour entendre ma femme avec le petit Raphaël. Et elle vient de fermer la porte. Bon, tout à l'heure, j'ai dit, ouais, ça aurait peut-être... Serait peut-être, j'arrive pas à le redire. Ça aurait pu être mieux que je colle avant. Donc là, je colle avant. Voilà. Donc je vais laisser sécher. J'essaie de diluer un peu le gesso parce que vu que j'ai plus de colle et que je suis obligé de coller au gesso. Donc je vais les couper. Alors là, c'était. J'ai déjà fait 6,4. Je vais faire. J'ai dit quoi? 8, 9. Alors déjà, je vais couper, décaler, couper, décaler. Ouais, je sais, je suis nul. Alors, je vais couper une partie là, comme ça au moins j'aurai un truc fixe, droit, hop. Voilà, et là, je vais faire 8, 9. Bon, bah sur celle-ci, il n'y en aura que 3. Voilà, je vais couper le surplus de là. Voilà, je vais faire comme toutes les autres, ça se décolle. Ouais, vu que c'est pas de la vraie colle et que c'est du gesso. Donc pour celle-ci, je vais faire déjà du modeling passe coloré, donc parce que j'en ai plus, donc ça va faire ça, ça. Donc je vais faire du bleu. Voilà, hop, donc pochoir. Ah ouais, j'en ai que 3 finalement. Je vais prendre le pochoir là, je vais mettre avec le maîtresse en plein milieu. Maîtresse scolaire, je vais le mettre un peu décalé. Prendre une carte.
Alors je vais faire pareil mais avec les mats. Bon, je vais utiliser le troisième pochoir, hein, donc c'est un lot qu'il y a sur mon site. Ah, voilà. Donc une fois que c'est bien sec, je vais faire quelques petites tâches. Alors je vais pas utiliser les tampons comme la dernière fois, je vais utiliser de la bombe. Alors désolé pour Fanny parce qu'elle m'a dit qu'elle détestait le bruit de la bombe. Donc je vais secouer la bombe. Voilà. Et je vais faire quelques petites tâches. Ça, c'est le plus dur de faire des tâches sur une petite surface. Voilà, hop, je vais les sortir de là. Je vais prendre du masking tape. Je vais faire un truc simple, alors vous pouvez voir qu'il y a un badge juste ici, il y en a un autre juste ici et il y en a un autre juste ici. Et en fait je vais faire un petit dessous de badge en fait, donc plutôt simple. Après une ATC c'est pas obligatoirement que ça soit complexe, hein. Voilà, j'en ai fait quoi? Alors celle-ci, si je la mets à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, je vais en reprendre d'autres. un petit bleu, ça ira bien avec le modeling pass du fond. Si je trouve le bord, il est là. Donc je vais coller les badges sur le masking tape. Hop. Et là je vais écrire 2017, vu qu'on nous sommes en 2017. Sur les autres, j'avais mis la date avec un encreur. Non, 2-1.
Et voilà mes cartes. Donc voici mes petites cartes ATC comme vous venez de voir. Alors j'ai utilisé les trois pochoirs. Il y avait un lot. Il y a toujours un lot de pochoirs sur ma boutique. J'ai voulu mettre en place ça au mois de septembre. Je sais pas pourquoi. Un petit lot histoire de que vous ayez un peu de promo. Voilà. En parlant de ça, j'ai mis, je sais pas si je l'ai dit dans mes vidéos créa, mais j'ai mis tous mes badges. Je crois que je l'ai déjà dit en plus, mais je le redis au cas où c'était pas parti voir sur ma boutique. J'ai mis tous mes badges été parce que ça y est, nous sommes rentrés en automne, c'est officiel. Même si la date, mais le froid il est là, donc tous les badges été ils ont été diminués. Voilà. Sinon j'ai utilisé les badges de la rentrée scolaire, voilà, et les pochoirs de la rentrée scolaire, voilà. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu, vous aura inspiré. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ouais, je peine à parler. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.